Québec, ça y est, c'est la rentrée. Vous êtes dans votre dernière année et vous avez décidé de vous présenter à l'option musique. Tous les ans, le programme change. Pour cette session 2019, il n'y a plus les trois thématiques comme d'habitude, mais seulement deux. Donc c'est vraiment la petite nouveauté de l'année, de quoi en réjouir certains d'entre vous. Donc ça ne veut pas dire qu'il va falloir bosser moins ou ça va être plus facile, loin de là, surtout que le programme imposé s'avère encore une fois assez éclectique. Ils ont donc deux thématiques pour le bac 2019. La première se situe dans l'univers du jazz, la deuxième dans l'univers de la musique contemporaine, donc deux univers bien distincts. La première thématique s'articule autour du Birdland, une composition écrite par le groupe River Report. Le programme imposé porte donc sur cette composition originale, mais également sur trois reprises effectuées par des groupes ou artistes différents. La seconde thématique s'articule autour de Max Richter et de son œuvre Recompose Vivaldi. Donc le but du jeu est d'être à l'aise autant dans la musique baroque que dans la musique postmoderne. Parce que Max Richter, en fait, a fait une recomposition des quatre saisons de Vivaldi, ne s'est pas juste attelé à faire un simple remix. Autant dire que le programme imposé brasse des courants et des styles musicaux assez différents. Alors encore une fois, c'est pas très difficile, hein, surtout si vous vous y prenez correctement, comme par exemple trouver des cours dès la rentrée et les travailler. Parce que c'est pas parce qu'il y a un sujet en moins qu'on ne va pas attendre de vous certaines connaissances musicales et générales. Le côté sympa de cette option, c'est que pour la travailler, il faut écouter beaucoup de musique, évidemment pas n'importe laquelle. Pour votre oral, on ne vous demande pas de réciter des cours par cœur, mais de réfléchir. Si vous faites le paroquet, vous allez aller droit dans le mur. D'où l'importance d'avoir des cours et de les travailler. Le tout est de travailler régulièrement, avec méthode et efficacité. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode, je vous laisse regarder la petite vidéo sur la méthode spécialement dédiée à l'option musique. Mais en aucun cas, vous ne vous pointez les mains dans les poches à cette option. C'est vraiment pas le bon projet. Voilà, si vous souhaitez en savoir davantage sur cette option, n'hésitez pas à consulter le site de musicobac.fr. N'hésitez pas non plus à vous y inscrire pour recevoir toutes les semaines des conseils et des tutos pour vous aider dans votre préparation. Si vous pensez que cette vidéo puisse aider d'autres personnes, n'hésitez pas à faire des feedbacks ou à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite sur Musicobac.